Ok les gars, je suis sûr là, au-dessus de cette colline, il doit y avoir un village. Mais mec, ça fait 3 jours que tu nous répètes la même chose. 3 jours qu'on n'a pas bouffé, moi j'ai faim. On va crever là. On va crever comme des merdes à cause de cet enfoiré. Putain, ça me rappelle un article que j'ai lu. C'est l'histoire de mecs en 1972 qui se sont perdus dans la cordillère des Andes. Et ils ont dû se bouffer entre eux pour survivre. Et moi je les comprends les mecs. Hein. À un moment là, j'ai la dalle, je pourrais vous bouffer. La survie, hein. C'est la survie. Non mais vous rigolez les gars, on va pas se bouffer quand même. Hein? Moi je bouffe Clément. Bah quoi, c'est pas possible de merde qu'on est coincé là, non? J'avoue, moi aussi je bouffe Clément. Ouais les amis, la violence n'a jamais rien résolu, d'accord? Moi je bouffe Laura. Ouais, elle sent bon, je suis sûr qu'elle a bon goût. C'est vrai, c'est toi que je bouffe. Mais n'importe quoi les gars, faut bouffer JB. Il est plus intelligent, hein, une grosse cervelle. Ah, je te bouffe. Les amis, on va pas s'entretuer pour survivre. Regardez-nous, on est ridicules, là. J'avoue qu'on a quand même failli bouffer JB. Ouais. Bon, allez, les gars, on se reprend. C'est parti, on va y arriver, ok? C'est parti. Allez. Allez, les gars. Allez. Allez. Attendez une minute. Juste comme ça... Pourquoi personne n'a voté pour moi? Pour rien, on va pas relancer le débat, c'était stupide. Non, si, si. Pourquoi personne veut me bouffer, en fait? Non, mais c'est pas qu'on veut pas te manger, juste que... Eh bah c'est juste que tu clopes comme un pompier, tu bouffes que de la merde, tu bois comme un trou, enfin bref, t'es dégueu, quoi. T'es pas bio? Moi, je suis pas bio, là. Non. Moi, je suis pas bio? Non. T'es pas bio, puis t'as couché avec tellement de meufs que t'es une usine à MST, gros, enfin... Mais c'est n'importe quoi, ne vous foutez de ma gueule, là. Je suis le meilleur d'entre nous, moi. Moi, je m'entretiens tous les jours à la bière, je me masse. Je suis un putain de bœuf de Kobe. Ouais, t'es peut-être un bœuf de Kobe, mais bon, qui a un petit souci d'odeur corporelle. D'odeur corporelle? Ok, peut-être que je pue un peu des pieds, mais moi, j'ai pas fait de sport depuis 10 ans. J'ai plus de muscles. Je suis super tendre. Enfin, super tendre, c'est juste que t'as que du gras, mec. Puis alors, moi, je déteste la Cohen. En plus, t'as des origines allemandes et on déteste la bouffe allemande. Mais j'ai pas d'origine allemande. J'ai fait le test sur internet, j'ai 10% d'origine allemande. Rico, le prends pas mal, c'était vraiment pas méchant. Hein. C'est facile, toi. Toi, il y a au moins une personne dans cette forêt qui a envie de te bouffer. Oui, mais excuse-moi, moi j'ai pas eu des gros soucis d'acné au collège, hein, voilà, et j'ai pas chopé des boutons en te mangeant, c'est tout. Bravo. T'es vraiment un gros con, toi, en fait. Alors, en vrai, c'est pas si con ce qu'il dit, hein. Parce que j'ai lu un article qui dit que dans la culture maya, on aspire l'âme des gens qu'on mange. Ouais. Donc, tu comprendras qu'on. Bah, on a pas envie de devenir. Devenir quoi? Bah vas-y, dis-le, devenir quoi? De devenir un gros teubé. Ah non, non, moi je voulais dire gros beauf en fait. Hein. Ah ouais? Oui, ouais. Voilà. Bon, écoutez les amis, il va bientôt faire nuit, vous voulez pas qu'on finisse la randonnée ou rentre chez nous? Ah non, 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 là, personne n'avance là. Personne n'avance tant qu'on m'a pas dit qu'on a envie de me bouffer. Je reste là. Ok, ok. Rico, t'as l'air délicieux, ok? T'es à croquer, si je pouvais, je te mangerais tout de suite. Mais là, ce qui serait bien, c'est qu'on finisse la randonnée, on rentre à la maison et on n'en parle plus, ok? T'es pas sincère. Je te connais par cœur, t'es pas sincère, je le vois dans tes yeux. Bon, en même temps, c'est vrai que j'ai lu un article sur l'ami. Mais ta gueule! Ferme ta gueule avec tes articles! T'as que des articles à la bouche, tu sais dire que des articles! Quand tu dis bonjour, tu dis un article! On s'en fout, ta gueule! Mais on ne veut pas te bouffer! T'es dégueu, mec! Dégueu! Mais on ne dit pas ça de quelqu'un qu'on n'a pas goûté! On dit pas qu'on n'aime pas! Mais Rico, on va pas te goûter, t'es pas sérieux, merde! Ah, moi je suis pas sérieux, moi! Moi je suis pas sérieux! Vous savez ce que je vais faire? Je vais me couper le rat, tiens! Je vais le faire cuire une petite sauce au poivre. Et là vous verrez si je suis dégueulasse. Ah, Rico, il est pas bio, vous allez voir. Oui, bien sûr, il bluffe, il le fera. Ah, il bluffe, ah. Tiens, là, il bluffe. Ah oui, il bluffe. Mais non, mais tu le feras jamais, mec. Ah, je le ferai jamais. Non, moi, je pense pas qu'il bluffe. Mais il bluffe c'est... ou il bluffe pas? Ah non, non, il bluffe, il le fera pas, c'est évident. Je pense, hein. Ah, putain, le con. Ah, il bluffe un peu moins, là. Vous avez dit qu'il le fait pas, hein. Ah, franchement, je suis déçu par mon steak, quoi. Il a pas de goût. Bah, je vais être honnête, hein, Rico, ton bras, il était meilleur. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça me touche. Merci d'avoir regardé ce nouveau sketch. N'hésite pas à mettre un like si ça t'a plu. Et dis-nous en commentaire quel youtubeur tu mangerais pour survivre. Comme, par exemple, Pierre Cross, quoi. Jamais, alors ça, jamais, hein. Plutôt crever. N'hésite pas à t'abonner à l'Hollywood en cliquant ici. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne de notre Lola Dubini, adorée, en cliquant là. Et tu peux voir le making-of sur MyTF1 en cliquant sur le lien dans la description. Allez, à la semaine prochaine.